Alors, Joe. Alors, nous recevons Diana Bouli. Alors, il y a les Facebookeuses, les YouTubeuses, les TikTokeuses, mais il y a toi, Diana Bouli, créatrice de contenu, pas de référence. Il faut dire qu'à l'époque, pour être une superstar, il fallait chanter, danser, passer sur le petit ou le grand écran. Et tu fus l'une des premières à être une super méga star en créant uniquement le contenu sur Internet. Alors, ce qui t'a démarqué, c'est l'originalité, la qualité de tes vidéos. Vintage, Aïcha Kone, Pépé Calé, Monique Seka, Grace Zeka ou Ebois Lotin que tu reprenais avec une originalité extraordinaire. Alors, il y a ceux qui t'ont aimé sexy et ceux qui pas beaucoup. Il y a ceux qui ont aimé ta façon d'être, ton jeu d'acteur, ta danse, ta voix dans la chanson et puis ceux qui étaient toujours là à t'envoyer les pics. Et entre-temps, donc, avec la popularité, tu as pu créer un pont extraordinaire entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, yes. Un pont supplémentaire en allant t'installer de l'autre côté. Alors, tes vidéos, à chaque fois qu'elles sortent, font toujours des millions de vues, tes lives et tes prises de parole sont toujours commentées ou critiquées, mais tu restes et demeures la princesse Diana Hillary Bouli Essouga. The Queen. Bienvenue, yes. Diana Bouli. Merci. Oui, Diana Bouli est notre invitée. Yeah. On va se ressasser des choses. On va regarder ces petites vidéos.